arachides. Venez acheter ces douces arachides. Des arachides, oh! Venez acheter ces arachides. Des meilleures bananes, meilleures bananes, meilleures bananes. Venez acheter ces douces arachides. Des arachides, ah, oh! Jolie fille. Benjamin. Oh, ma. Hey, comment tu vas? Ça va. C'est comment? Je t'ai pas vu tout ce week-end. Ma soeur, je vais bien. Hein? Je me souviens, je te croyais déjà à l'école. Moi? Pourquoi? Votre télévision ne travaille pas? Ou alors, tu n'as pas d'internet? L'antenne de notre télé est endommagée. Et j'ai pas d'argent pour le forfait internet. Que se passe-t-il? Et tes amis non plus ne t'ont rien dit? Me dire quoi, Benjamin? Ne me laisse pas en suspense, hein? L'école a repris. Ils ont mis fin à la grève. Quand? Hey. Qui t'a dit cela? Oh, je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Ils disent que le gouvernement a suspendu la grève et que les élèves doivent... Oma! Oma! Meilleure banane, meilleure banane, meilleure banane, meilleure banane! Tante. Qu'est-ce qu'il y a, Oma? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu revenue à la maison? L'école a repris. La grève a été annulée. Je peux y retourner? Tante. As-tu fini de vendre les arachides que je t'ai remis? Pas encore, mais... Pas encore? Pas encore? Et t'es revenue pourquoi? Pour t'informer que l'école a repris. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ah! Et si l'école a repris? Oh, tu veux retourner à l'école, c'est ça? Vas-y, range tes choses et retourne à l'école. D'accord? Mais il me faut le transport et je m'en irai. Je travaillerai pour m'en sortir. On m'a veut le transport. Regarde autour de toi. Regarde bien, tu me vois stocker de l'argent ici? Je stocke de l'argent? Mais tante, je te rembourserai, je te promets. Oh ma, laisse-moi tranquille. Tu veux aller à l'école, n'est-ce pas? Range tes affaires et vas-y, la porte est ouverte. Ne m'embête pas. Mais tante... Tante, s'il te plaît... Dégage de ma vue. Tante... C'est comment? J'ai apporté des gâteaux. Oh ma, mange. Allez, mange. Merci. De rien. Alors, que comptes-tu faire à présent? Je pense que je vais aller chercher mon père. Ton père? Tu avais pourtant dit que ta mère t'en a jamais parlé. Alors, comment vas-tu le chercher? Je connais son nom. Alors, je vais le chercher sur Facebook. Ça, c'est peut-être une mission impossible. Mais tu sais que j'ai pas le choix. Ma tante n'est pas prête à m'envoyer à l'école. Donc, il faut que je le cherche. Peut-être m'aiderait-il. Tantine, ma belle. Pourquoi est-elle comme cela? Tu fais tellement d'argent pour cette femme. Tu sais, depuis 8 mois que t'es venue dans ce village, t'as fait des ventes qui valent des milliers de naira pour elle. Pourquoi les gens sont-ils méchants? Tante, ma belle n'est pas méchante, Benjamin. Laisse tomber cela. Elle m'a reçue chez elle dans ma détresse. Mais tu lui rends beaucoup de services. C'est une bonne femme. Je lui dois tout. Je suis sûr que le gâteau te plaît. Ah ah. Oma, lève-toi de là. Tante. Quelle heure est-il? Bonjour, tante. Je suis désolée, tante.
Il est 7 heures dépassées et tu dors encore. Qu'en est-il des arachides? Qui va les griller? Moi? Quand vas-tu finir de les griller et aller les vendre? J'irai les faire maintenant, tante. Qu'en est-il de la maison? Est-elle balayée? Ah? Je supposais la balayer. Non, tante. Eh, j'ai des... Viens. Qu'est-ce qu'il y a? As-tu faim? Hein? Tu as faim? Tu l'as entendu? Il a faim. As-tu fait à manger? T'as pas cuisiné. T'es simplement stupide. Qu'as-tu fait pour moi? Dis-le-moi. Tout ce que tu peux me dire, c'est que tu veux aller à l'école. Quand tu iras à l'école, ne reviens plus chez moi. M'as-tu entendu? Oui, tante. Va lui faire à manger. D'accord, tante. Reviens ici. Qui va balayer la chambre? Je le ferai, tante. Va lui faire à manger. D'accord, tante. Va avec lui. Reviens le prendre. Viens. Ne le tire pas. Oui, tante. N'importe quoi. Elle est encore au lit à 7 heures. Tante. Qu'est-ce qu'il y a? Puis-je te parler? Dis ce que t'as à dire, ne me perturbe pas l'esprit. S'il te plaît, connais-tu mon père? Hein? C'est juste que... ma mère ne m'a jamais rien dit de mon père, mais... je pense pouvoir le trouver. Et qu'est-ce qui arrivera après, Oma? Je te le demande, et qu'est-ce qui arrivera après? Oh. Donc tu penses qu'un homme qui a rejeté la grossesse accepterait finalement l'enfant? Rêveuse, arrête de rêver. Arrête de rêver. Après tout, tante, il reste mon père et... j'aimerais le connaître, donc... si t'as une information quelconque... Oma. Ne me fais pas regretter de t'avoir ramené chez moi. Hein? Parce que déjà, je le regrette. Tante, s'il te plaît. Oh ma, quand ta mère est morte, tu n'avais nulle part où aller. Je t'ai accueilli. Mais non, tu veux aller chercher ton père. Où était-il quand je t'ai accueilli? Je te le demande. Où était-il? Si je pouvais juste... Oh ma, tu veux aller chercher ton père, n'est-ce pas? La porte est ouverte, va le chercher. Mais dès que tu quittes ma maison, tu ne reviendras plus. M'as-tu comprise? Tante, pardon. Oh ma, dégage de ma vue, laisse-moi tranquille, laisse-moi prendre mon déjeuner en paix. Qu'est-ce que c'est? Laisse-moi tranquille. Va-t'en. Ah. Alors, tu veux les acheter à combien? Combien? Madame, je les ai vus. Je vais payer 2000. Ah, 2000 pour tous ces vêtements. As-tu considéré la qualité de ces vêtements? Madame, laisse la qualité. N'est-ce pas tous les vêtements? Y en a-t-il encore d'autres dans le sac? Ah, tiens même, regarde. Ce sont des... ils sont même pires que ceux-là. Oh, regarde, ça n'atteint même pas le prix que je t'ai donné. Qu'est-ce que tu as? Madame. Pourquoi es-tu si grossière? S'il te plaît, parle. Madame, 2000. 2000 est peu. Je ne peux pas les vendre à ce prix. Ces vêtements sont délavés. Tu devrais les échanger pour des... pour des plastiques. Ah. Ah. S'il te plaît, parle bien. Madame, 2000 est bon pour ces choses. Bonsoir, tante. 5000 naira. Pourquoi veux-tu faire des problèmes avec ces vêtements? Tante, n'est-ce pas mes vêtements? Laisse-les. Laisse ça. Madame. 4500, achète à ce prix. 4500. Tante, ce sont mes vêtements. Je vais te gifler, hein. Madame, je ne peux pas les payer plus que ça. D'accord, donne l'argent. Donne l'argent. Tante, mais ce sont mes vêtements. Je vais te gifler. Si tu continues, je vais te gifler, hein. Pourquoi vends-tu mes vêtements? C'est toi-même qui te nourris? Oh, c'est tout ce que je fais pour parvenir à te nourrir, à prendre soin de toi. Si tu refuses de contribuer à la maison, alors quitte chez moi. Je les ai réservés pour l'université. Si tu les vends, je n'aurai plus rien à porter. Qui t'a dit que tu retournerais à l'école? Que
Que veux-tu dire? Je demande, qui t'a dit que tu y retournerais? Parce que j'ai pas d'argent pour l'école. Mais je suis déjà à ma première année d'université. Je peux pas abandonner maintenant. Serais-tu la première à abandonner l'université? Hein? Oh ma. Écoute-moi. Coupe ton menton en fonction de ta taille. Hein? S'il n'y a pas d'argent pour payer tes études, alors arrête de rêver. Mais tant, je te rends beaucoup service. Je vends dans des rues, je fais des travaux ménagers, je m'occupe de ton fils. Comment oses-tu me traiter de méchante? Toi, ce que je te demande, c'est que tu me laisses aller à l'école au moins. Tante, ce sont des vêtements que ma mère m'avait achetés. Je te dis, ne les vends pas. Est-ce que tu vas bien? Madame, ne vous battez pas. Je n'en veux plus. Je ne prendrai pas quelque chose qui me causerait des ennuis. Donc ces vêtements sont à cet enfant. Hey, madame. Écoute. T'es très méchante. Donne les vêtements à la petite. Va-t'en, si tu ne veux pas payer, va-t'en. Je trouverai quelqu'un d'autre. Si je te gifle, je vais te gifler. Lâche-les, lâche-les. Je vais te gifler. Je vais te battre maintenant. As-tu perdu la tête? You came along and my life became beautiful. So beautiful. So beautiful. And then you came along and my life became beautiful. So beautiful. So beautiful. And I will tell the world that you are a miracle. Now I've been strong so long, chasing it all. Yeah, I know what it means to be here and there. Oh, I know what it's like to be alone. Nobody wanna come closer. Life was so blurry, just like a warrior. No one to tend to, more like a prison in your soul. Life became beautiful. Merci. So beautiful. So beautiful. And then you came along. And my life became beautiful. So beautiful. So beautiful. Oh, très beau. Monsieur. Ah, je te donne un coup de main. Non. Je le gère. Écoute, je te l'ai dit. Nous sommes au village maintenant et arrête de m'appeler monsieur, d'accord? Pas devant mes parents. D'accord, je suis désolé, j'avais oublié. Mais vous voulez bien aller à l'intérieur maintenant? Non. Donne-moi juste une minute. Je prends quelques photos. Monsieur, il se fait déjà tard et nous avons passé la journée en chemin. Good luck, écoute. C'est presque le coucher de soleil. Ça fait du bien de prendre des photos sur cette ambiance. Donne-moi une minute, s'il te plaît. Pardon, on pourra faire ça demain. Je vous promets, s'il vous plaît. D'accord, c'est bon, laisse-moi t'aider. Non, une chose de plus. J'aimerais te demander de ne pas dire à tes parents que t'as conduit avec nous en voiture. Good luck, je comprends. Tu sais qu'ils pensent qu'on a pris un vol avant de prendre la voiture pour venir au village. C'est bon, je vais sur toi, d'accord, j'ai compris. Merci. Et merci d'avoir dit oui à mes idées folles. Je sais que des fois je fais des choses vraiment insensées. Merci. Merci à vous. Laisse-moi aussi. T'aider, s'il te plaît. Non, pas ça. Je vous en supplie, je vais gérer. C'est rien, nous sommes au village maintenant, je peux t'aider. D'accord, s'il te plaît. Good luck. Allez, allons-y. Attends, je vais tirer ceci. Allons-y. Bonjour, good luck. Ah, bonjour, boss. Vous avez bien dormi, j'espère. Oh oui, très bien. En fait, j'ai très bien dormi. Merci de demander. Gloire à Dieu. Je suis ravi. Alors, nous sortons aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Mais juste moi. Juste vous? Oui, moi seul. Pourquoi? Je veux dire. S'il vous plaît, boss.
Permettez-moi de faire mon travail et non me conduire en prison. Et si jamais quelque chose vous arrivait, je veux dire, on pourrait vous enlever, vous le savez. S'il te plaît, relax. M'enlever ici? J'irai bien, t'inquiète. Mais non, boss, j'irai bien, good luck. Écoute, t'en fais pas. Bientôt, tout ira bien. Comment? Dis-moi comment. Ma tante n'est pas prête à m'envoyer à l'école. Je sais. Hein? Juste, aie la foi. Si je pouvais m'envoyer à l'école, je le ferais. Mais j'ai pas de moyens. Ah. Et si tu t'en allais sans lui dire? Écoute, j'ai entendu parler des filles qui tressent et gagnent de l'argent. Tu peux le faire également. Ou même trouver un travail. J'ai essayé de travailler dans un bar quand j'ai été à l'école, mais ça n'a pas marché. Le gérant et certaines personnes voulaient coucher avec moi. Hein? Pouah! Abomination. Ah ah! Qu'est-ce qui ne va pas avec l'être humain? Je ne sais pas. Ah ah! Devrait-il coucher avec toutes les belles filles qu'il rencontre? Je ne sais plus quoi faire. Les cours ont débuté et je suis là. Parce que j'ai pas d'argent pour aller à l'école. Allez, tiens. Benjamin, t'inquiète pas. Je sais ce que vous traversez, ton père et toi. Je vais me débrouiller, merci. Je vais trouver un moyen. T'es sûr? J'en suis sûr. Merci beaucoup. D'accord. Pas de souci. Qui est-ce? Et pourquoi partages-tu des biscuits aux enfants? Qui? Ils devraient demander la permission de leurs parents, n'est-ce pas? Ah. Ne le vois-tu pas? Tiens-moi ceci. Allez, tenez, je veux vous prendre en photo. Je vous en donnerai plus. Juste, tenez-vous bien, prenez-vous la main. Donnez-moi un sourire. Allez, sourissez, les gars. Et que voulez-vous de ces enfants? Désolé, excuse-moi, tu t'adresses à moi? Non, je me parle à moi-même. Qu'est-ce que vous leur voulez? Quoi? Qu'est-ce que tu... Reprenez vos biscuits. Avant de donner quoi que ce soit aux enfants, demandez la permission de leurs parents. Je ne pense pas que... Je ne sais pas en quoi cela te concerne. Je donne des biscuits aux enfants. C'est quoi ton problème? C'est quoi vos intentions déjà? Pourquoi leur donnez-vous des biscuits? Jeune femme, je te conseille de t'occuper de tes oignons. Oma! Ça, ce sont mes oignons. C'est une communauté villageoise et je peux vous dénoncer. Me dénoncer pourquoi? Qu'ai-je fait de mal? Oma! Qu'est-ce qu'il dit? Il prétend ne pas savoir de quoi je parle. Quelles sont vos intentions à l'égard de ces enfants? Je pense que t'as perdu la tête. Hein? Pourquoi tu me poses cette question insensée? Hein? Qu'est-ce que tu dis? Es-tu malade? D'ailleurs, allons voir les anciens sur le champ. Quel ancien? De quoi parlez-vous? J'ai rien fait de mal. Oh, t'as rien fait de mal. On verra. Non, donne-moi ma caméra. J'espère que vous allez bien. Hein? Je vais bien. Vous êtes sûr? Je vais bien, good luck. Êtes-vous sûr que ces idiots ne vous ont pas blessé? Je suis très en colère maintenant. Écoutez, c'est pour ça que je rejetais l'idée que vous sortiez tout seul. Écoutez, je sais à quel point c'est dangereux dehors. Hein? Voilà que votre père est informé. Mon emploi est en jeu. T'en fais pas, calme-toi, d'accord? Je te protégerai. Vous le ferez. Crois-moi, je vais le faire, compte sur moi. Oh, merci. Détends-toi. Merci. Et qu'en est-il de ces idiots qui vous ont dénoncé? Tu sais quoi, je m'en fous de ces deux à présent. Je m'en fiche d'eux. Ah bon? Où as-tu garé? De l'autre côté de la rue. Allons-nous-en, s'il te plaît. Mais on devrait les faire arrêter. Tendre, s'il te plaît. Rentre. Quel est ton problème? T'as dénoncé le fils d'un de nos chefs au conseil villageois. Qu'attendais-tu? Tante. Des acclamations? Oma! Je ne savais pas, tante. Je croyais que j'ai aidé les enfants. Tu les aidais? Qui as-tu aidé? Dis-le-moi. Pardon, tante. Ne m'attire pas des ennuis dans ce village. Tu comprends? Ne m'attire pas des ennuis dans ce village. M'as-tu entendu? Désolée, tante. J'ai été amendée à 10 800 naira à cause de ta stupidité. Tu sais quoi? Tu vas me les payer. Tu vas me les rendre, sinon tu vas mourir de faim dans cette maison. Vas-tu te lever? Va récupérer mon fils chez Madame Ice. Ou alors je vais te donner une bonne correction.
Dégage-moi ça. Que vais-je faire? Que vais-je faire à présent? Que vais-je faire maintenant? Calme-toi, Benjamin, on va trouver un moyen. On aurait dû se renseigner. On aurait dû se renseigner. Je t'ai traîné dans ça, c'est de ma faute. Que vais-je faire? Benjamin. Comment paierons-nous cette amende? Hein? Mon papa et moi avons à peine de quoi vivre. C'est de ma faute. Je suis la cause. Désolé. Désolé, hein? Nous devrions aller lui demander pardon. Je veux dire... en fait, c'est le fils de l'un de nos chefs. Et il se trouve qu'il soit l'homme le plus riche de ce village. Ah, je suis fini. Benjamin. Benjamin, désolé, désolé. Fini. Désolé, hein. S'il te plaît, calme-toi. D'accord. Benjamin. Écoute, je vais aller lui demander pardon. Je pense que c'est la seule option qui nous reste. Mais sais-tu où il habite? Je pense connaître sa maison. Allons-y. Désolé. Désolé, Benjamin. Ah. Benjamin, on va s'excuser. D'accord? Pardon, nous sommes désolés. Alors, tous les deux, vous m'avez failli faire perdre mon emploi, hein? Nous sommes désolés, monsieur. Vous pouvez garder vos excuses pour vous-même, d'accord? Dans tous les cas, il n'est pas disposé de parler avec qui que ce soit. Il se remet en cœur du traumatisme que vous lui avez fait subir lors de cet incident. Et... Un docteur vient de l'étranger pour le prendre en charge. Ah, un docteur de l'étranger? Mais monsieur, nous avons de très bons docteurs ici. Oui. Et en quoi sa manière de dépenser son argent te regarde? Hein? Désolé, monsieur. Pardon, pardon, monsieur. Laissez-nous aller le supplier. Je promets, après ça, on s'en ira. Mais je viens de vous dire que vous n'êtes pas bon pour sa santé mentale. Hein? Vous ne méritez pas le rencontrer encore. Le mieux que je puisse offrir, c'est de vous permettre de me demander pardon. Ça, c'est si je le permets. Vous me suppliez, et puis je lui transfère votre pardon. Mais... Écoutez, c'est tout ce que je peux offrir. D'accord? Et si ça ne vous va pas, alors quittez ici et ne revenez plus à main. S'il vous plaît, monsieur, attendez. Attendez, monsieur, s'il vous plaît. Attendez. S'il vous plaît. Qu'allons-nous faire maintenant? Benji, il se fait tard. Oui, t'as raison. Je dois partir. J'en peux plus. Je n'ai encore rien vendu. Tu peux t'en aller, mais... Je ne pourrais pas quitter sans m'excuser. Hein. Écoute, cette amende doit être annulée. Benji. Écoute, t'en fais pas. Va, je vais m'excuser pour nous deux. Je serais restée, mais tu connais ma tante. Elle serait en colère si je ne vends rien. C'est compris. Je suis désolée pour les ennuis que je t'ai causés. T'en fais pas.
C'est combien ça? Ça ne fait que 2550 naira. Pour la Rachid, pourquoi ne les as-tu pas tous vendus depuis le matin? Tante, j'ai pas vite commencé la vente. C'est une excuse très insensée. Combien de fois je t'ai averti de ne plus revenir chez moi tant que t'as pas fini de vendre les arachides? Combien de fois? Tante, j'essayais de demander pardon au jeune homme que j'ai offensé pour qu'il annule l'amende. En quoi cela concerne mes arachides? Hein? Quel est le rapport avec mes arachides? Je voulais t'épargner de payer l'amende. Hein? Moi? Payer l'amende? Alors tu te disais que moi j'allais payer l'amende? Hein? Mais... T'es très stupide. T'es vraiment stupide. Allez, lève-toi. Prends ce truc et va me vendre les arachides, insensé que tu sois. Vas-y. D'accord. Prends-les. Ramasse-les. Ne reviens pas sans les vendre. Imbécile. Si tu reviens encore avec ça ici, on verra. Je t'attends. S'il vous plaît, monsieur. Je suis désolé, monsieur. S'il vous plaît, monsieur, je suis désolé. Pardon, s'il vous plaît, je ne vous connais même pas. Je veux dire, je ne vous veux aucun mal, monsieur. Je ne vous veux aucun mal. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je veux dire, pardonnez-nous, oui. S'il vous plaît, pardonnez-nous. Où est ta complice? Elle n'est pas là. Je veux dire, je m'excuse pour nous deux, monsieur. Je m'excuse pour nous deux. Je veux comprendre un truc, donc je devrais lui pardonner en son absence, c'est ça? Pardon. Quel est ton nom? Monsieur, quel est ton nom? Benjamin. Benjamin. Good luck. S'il te plaît, dis au conseil municipal d'effacer la dette, d'accord? Ah, merci, monsieur. Que Dieu vous bénisse, soyez béni. Monsieur, qu'en est-il de mon ami Omar? Qui est-ce? Ma compagnonne. Celle pour qui je demande pardon aussi, monsieur. 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 Monsieur, mais je voudrais lui parler. S'il vous plaît, je voudrais... pitié, pitié. Monsieur, pitié, 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 s'il vous plaît. S'il vous plaît, pardon, pardon. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. So beautiful, and then you came along, and my life became strong so long, chasing it all. Yeah, I know what it means. Es-tu bête? Es-tu bête? Qu'est-ce que tu fais? Tu te crois où en fait? Beauté endormie. Qui t'a permis de dormir sans avoir vendu mes arachides? Je n'ai pas pu les vendre parce qu'il faisait déjà très tard hier soir. Mais... Tu es folle. Je les vendrai aujourd'hui. Tu es folle. Tu vas les vendre aujourd'hui. Qui t'a envoyé, dis-moi? Qui t'a envoyé de venir me punir? J'ai dit qui t'a envoyé. Tante, désolée. T'es désolée? Hein? Ces arachides étaient censées être vendues depuis hier. Que font-elles encore ici? Hein? Tu es très stupide. T'es vraiment stupide. Je te nourris, je te vêtis, je te donne un toit. Néanmoins, tu me parles, tu me dis des choses stupides. Désolée, tante.
Je te parle. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Reviens ici, reviens. Reviens ici, reviens. Reviens emporter tous ces arachides. Vends-les tous. Après tout, personne ne me paye pour m'occuper de toi. C'est quoi ton problème? Prends-les. Allez. Va-t'en. Insensé. Rassure-toi de tout vendre. Reviens ici sans les vendre et tu verras. And then you came along and my life became beautiful. So beautiful. So beautiful. And then hey, you hey, came hey, along. Hey. Oui, monsieur, combien d'arachides voulez-vous payer? Penses-tu vraiment que je vais acheter ce que tu vends? Hein? C'est ce que tu penses? Il y en a pour 50 naira et ceux de 200 naira. Lequel voulez-vous? Wow! Tu joues à la maligne comme si tu ne te souviens pas de moi. Le gars dont t'as insulté et embarrassé hier. Quoi? Tu penses que je peux t'accepter sans cœur? Tu penses que tu peux embarrasser des gens comme beau te semble? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Hein? Écoute, je ne vais plus t'accepter cela, ni de qui que ce soit dans ce village, tu comprends? C'est quoi ce que tu fais? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Lève-toi. Lève-toi. Attends. Tu vas bien? Tu vas bien? Oh mon Dieu! À l'aide! Elle ne bouge pas, à l'aide! Lève-toi! Lève-toi! À l'aide! Ça va? Ouais, écoute. Le docteur a dit que tu prennes deux le matin et deux le soir. D'accord? Voilà. Merci. Il demande que tu manges beaucoup de protéines et des légumes. Ton système immunitaire est très faible. D'accord. Mais, et mes arachides? Oui, à propos de cela, avant d'y retourner, c'était déjà détruite. Oh, ma tante va me tuer. Où sont-elles tombées? Écoute, elles coûtent combien? Je vais payer pour non, ça. Non, dis-le-moi, où sont-elles tombées? Oh my, écoute, je vais payer pour ça. Dis-moi combien elles coûtent. Non, laisse tomber. Dis-moi juste où elles sont tombées. J'irai les chercher. Mais où veux-tu chercher un truc qui est déjà détruit? Où sont-elles tombées? Dans cette sale rue, tu vois, où tu étais tombée. Oma, écoute. J'ai dit que je vais payer pour ça. Non, je vais aller les chercher. Je vais les arranger. Que veux-tu faire avec un truc déjà détruit, Oma? Je vais les arranger. Ma tante va me tuer sinon. Oma, attends. Oma. Oma. Mes arachides. Oma, écoute. Ma tante va me tuer. Allez, calme-toi, Oma. Si tu peux le calme-toi, je veux dire. Ton plateau est avec Good Luck, d'accord? Écoute, Oma, écoute. Allez, lève-toi. Ouais, c'est ça. Allez, tiens. Je pense qu'il faut prendre ça. Non, ne t'en fais pas. Tu as déjà payé mes factures de prix. Voilà ton plateau avec Good Luck. Merci. Allez, Oma, prends ceci. Non, t'as déjà géré mes factures d'hôpital. Et je te dois aussi pour t'avoir embarrassé. Prends ça. Non. Prends ça. Je pense que ça va suffire. Désolé, d'accord? Je pense que ça peut suffire à couvrir le dommage. Good Luck va t'amener. Non, je vais me débrouiller. On peut te déposer. Non, t'en fais pas. Oma, j'insiste. Non. Oma, non, Oma. Non, merci. Merci encore. Nous sommes désolés, Oma.
Alors, comment se porte la femme la plus belle de ce monde? Allez, maman, tu sais que je dis la vérité. je vais bien, maman, je vais bien, je veux dire. C'est vraiment chouette ici. Crois-moi, je me demande pourquoi on n'y vient pas souvent. Ah oui, c'est vrai. Tu sais quoi, maman, je vois la vie différemment maintenant et ça me plaît. Tu sais ce que j'ai remarqué ici, maman? Le degré de pauvreté ici est très grave. Genre, les gens se battent vraiment. Ouais, j'ai compris que vous avez fait un très grand travail ici. Tu vois, en aidant les jeunes, des bourses d'écolage énormes. Ouais, ce serait très bien, maman. Très bien. Crois-moi, maman, il est bien. Il est très bien. D'accord, maman. On se parlera après, d'accord? Au revoir. Je t'aime. Au revoir. Dégage de là. As-tu fini de tout mettre au propre? T'as aussi des arachides à vendre. Tante! Pourquoi m'as-tu caché ceci? Ma mère m'avait écrit une lettre, pourquoi me l'as-tu caché? De quoi est-ce que tu parles? Où as-tu trouvé ça? Dans ta chambre. Donc je te demande de faire le ménage dans ma chambre. Et tu te mets à faire des enquêtes. Hein? Tante, pourquoi ne m'as-tu pas remis ça? Oh, alors maintenant tu m'interroges. Tu me poses des questions. Comment oses-tu, Oma? Écoute, ce n'était pas moi qui étais censée te donner cela. D'accord? Mais elle dit clairement ici que pendant que je lirais cette lettre, elle serait morte. Tu aurais dû me la donner. Alors que veux-tu me faire? Hein? Tu veux me battre, Oma? Tu veux me battre, Oma? Vas-y, viens me battre, Oma. Bats-moi. Tu veux me battre? T'es très méchante. Tu es très méchante, Oma. T'es extrêmement méchante. J'ai pris soin de ta mère jusqu'à son dernier souffle. Après sa mort, je t'ai pris toi et j'ai accepté de prendre soin de toi. Maintenant, tu m'insultes. Tu me fais le moral, Oma. Tu vois à quel point t'es méchante? T'es très méchante. Mais elle est morte il y a 9 mois. T'as gardé cette lettre depuis 9 mois. Tu aurais dû me la donner. J'étais absente à sa mort. Insensé. Dégage d'ici. Amène JD dedans.
maintenant. Jedi, suis l'enfant. Strong so long, chasing it all. Yeah, I know. Les informations de ton père sont dans cette lettre. Iras-tu le voir? Je ne sais pas. Si tu veux aller le voir, tu peux y aller, mais ne reviens plus dans ma maison. Pourquoi pas? Pourquoi ne devrais-je pas? Tu veux aller rencontrer ton père, n'est-ce pas ce que tu veux faire? Hein? Une fois parti d'ici, ne reviens plus. Mais... je n'ai pas encore décidé. Amma. Amma, la vie n'est pas facile pour moi. Hmm? J'essaie de joindre les deux bouts. Je peux à peine me débrouiller pour moi et mon fils. Hein? T'en as assez déjà fait pour moi. Et j'en suis très reconnaissante. Je sais que aucun membre de la famille de ma mère n'était prêt à me prendre. Je serais dans la rue si tu n'avais pas été là. Donc tu sais que j'ai beaucoup fait pour toi. J'ai été exceptionnel, n'est-ce pas? D'accord. Alors, l'école doit attendre. Oui. Tu iras à l'école une autre fois. Maintenant, on doit se concentrer à chercher de l'argent. Oui. Si tu reconnais que j'ai fait quelque chose de bien pour toi, d'accord? Hey, salut, salut. Salut à toi. Salut. Hein, comment vas-tu? Comment vas-tu? D'accord, toi en premier. Comment vas-tu? Bien, je vais bien, merci. Je ne pensais plus te revoir, honnêtement. Moi non plus, je te croyais rentrer. Rentrer où? Eh bien, en ville. Qui t'a dit que je vivais en ville? Je vends des arachides ici et je connais presque tout le monde ici et je ne t'avais jamais vu. Vraiment? Oui. Oh wow, je suis là enfin, je suis le fils de la terre. Je suis d'ici, tu sais. Est-ce que je peux te prendre en photo, s'il te plaît? Oui, je vais déposer mon... Non, juste comme ça, je veux dire, dans cet état brut. Tiens-toi comme tu es, s'il te plaît, une seconde. Essaie de ne pas me regarder, d'accord? Fais ce que tu veux, sois à l'aise, d'accord? Fais tout ce que tu veux. Ah, j'adore le sourire. Génial. Magnifique. Oh mon Dieu, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Viens voir. Regarde tout ça, c'est très bien. Hey, très magnifique. Oui. Magnifique. Merci. Regarde, tu les aimes? Ouais, elles sont magnifiques. Tu es très bon. Merci. Alors, à quoi serviront ces photos? Tu es, disons, photographe? Photographe peut-être. Tu sais, mais ceci est un projet. C'est un projet sur la vie rurale. Vraiment? Oui. Eh bien, je dois soumettre ces photos à l'école gratte pour être accepté à l'étude supérieure. École gratte? Alors, t'es diplômé? Oui, ça fait un an.
t'es si jeune. Toi aussi. Merci pour les photos, elles sont magnifiques. De rien. Oui. Je t'en prie. Que s'est-il passé? T'as pas vendu aujourd'hui? C'est à cause de l'incident? Oh non, 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 c'est... Les choses deviennent chères au marché. Oh. Alors ma tante a décidé de... d'attendre pour que les prix s'abaissent. D'accord, je comprends. Ouais. Alors tu es avec ta tante? Ah oui, il se fait tard. Je suis sortie de la maison depuis. Je dois rentrer. Maintenant? Oui. Attends, j'ai pas eu ton numéro. Je pense que j'ai très sommeil. Je pense qu'il est temps d'aller dormir. Oui, bonne nuit. D'accord, bonne nuit. Tu admires sa photo toute la journée. N'est-ce pas très magnifique? La façon dont la caméra l'a capturé. Excellent. Ouais, tu as raison. Elle est vraiment photogénique. Good luck. Ouais. Je pense avoir une idée. Quel genre d'idée? Et si je faisais d'elle mon mannequin personnel? Quoi? Oui. Bien. Je pense que tu dois aller dormir. D'accord. Bonne nuit. D'accord. Bonne nuit. Je ne pense pas qu'elle viendra aujourd'hui. Enfin, on attend depuis des heures déjà. T'es épuisé. tu dois te reposer, crois-moi. Attendons encore un peu, s'il te plaît. Elle peut venir. Attendons encore un peu. Attendre davantage? Écoute, j'aurais souhaité connaître chez elle. Les choses auraient pu être faciles. Voilà qu'on ne le connaît pas. J'ai pourtant essayé de trouver son adresse. Je sais pas, le village entier me semble très calme. Des meilleures bananes, meilleures bananes. Bonsoir, monsieur. Non, 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 s'il te plaît, laisse ce titre. Je m'appelle Stéphane. J'aimerais voir ton ami. Mon ami? Oui. Qui? Ton partenaire de crime. Je veux dire, celle qui vend des arachides avec toi. Oui. Pourquoi? Pour faire quoi? J'ai une proposition pour elle. Proposition? Ouais, une proposition d'affaires et je vais bien la payer. D'accord, dans ce cas, je vais l'amener. Ah, d'accord. Mais je vais déposer ceci. Je ne vis pas loin d'ici. Ne bougez pas, hein. Ne bougez pas. D'accord, d'accord. Oma. Benji. So Salut, Oma. Salut. Il dit qu'il a un très grand plan d'affaires qui t'apportera beaucoup d'argent. Grand plan d'affaires? Oui, Oma, j'ai eu une proposition d'affaires pour toi. J'aimerais que tu sois mon mannequin. Mannequin? Oui. Écoutez, Oma, c'est une très bonne mannequin. Quand elle venait nous rejoindre dans cette communauté, on a tous cru que c'était une mannequin. Alors, tu l'acceptes? Tant que je m'habille décemment. Bien sûr, sans doute. Écoute, Oma, tu n'as absolument rien à craindre, d'accord? Tu es dans de bonnes mains. Merci. C'est bon. Merci, Benjamin. Merci à vous aussi. D'accord. Merci. On se dit à plus. Tu veux m'aider? Quoi?
J'ai trouvé du boulot, tante. Quel boulot? Celui de mannequin. Donc, quel est le salaire de ce travail? 20 000 naira par séance. T'as dit 20 000 naira? C'est par jour ou par mois? Par jour, tante. Je pense que Dieu a finalement exaucé mes prières. Parce que... Enfin, je pourrais aller à l'école et faire un truc. J'aurai assez d'argent. Écoute, quand on te payera pour ce travail, donne-moi l'argent, je vais te le garder. Mais tante, j'ai mon propre compte à moi. J'ai appelé mes camarades, ils m'ont dit que je peux encore venir. Donc, tout ce qui me reste à faire, c'est d'économiser et puis... Vas-tu arrêter ce comportement de « je connais tout » Quel est ton problème? Combien de fois dois-je te dire qu'il n'y a pas d'argent pour que tu retournes à l'école? Hein? Et d'ailleurs, nous devons changer de plan. Nous devons changer de programme. Nous devons économiser l'argent afin de voyager à l'étranger. Tu sais que mon mari y est. Mais tante, t'as-t-il appelé? Puisque t'avais dit qu'il n'appelait pas. Vas-tu te taire? T'as-t-il appelé? Est-ce ton mari? C'est mon mari et le père de mon enfant. Oui, nous sommes en contact. Alors, quand on te payera cet argent, tu me l'apportes pour que je te le garde. Laisse-moi le garder. Pour que nous puissions aller à l'étranger. As-tu bien entendu ce que j'ai dit? As-tu bien entendu ce que j'ai dit? Oui, tante. Combien as-tu compté? Combien as-tu compté? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Mais tu veux aller à l'école. Vas-tu compte ces trucs pour que je sache combien ils sont. Désolée, tante. Désolée pour toi. Eh bien, merci pour aujourd'hui. Merci pour la journée de photo. Tu étais superbe. Merci. J'arrive pas à croire que je sois payée pour ce que j'aime. Tu aimes le mannequinat? J'adore prendre des photos. Tu sais quoi? Tu pourras tenter ta chance. Tu es très photogénique. Bien sûr. Merci de m'avoir montré ce chemin. Je t'en prie, Omar. Alors, que fais-tu d'autre à part vendre à Rachid? Eh bien, je suis au premier semestre de ma première année de l'université. Je me rappelle encore quand ma mère et moi sommes allés chercher ma place pour la première fois. Mais malgré que la grève a été annulée, je ne peux plus y retourner. Attends, tu veux dire que ton école est en session et tu es ici? Pourquoi? C'est une longue histoire, mais j'irai dès que possible. Mes amis m'aideront à obtenir une lettre d'ajournement. Lettre d'ajournement, pourquoi? Mange ton repas, sois pas choqué. Il va se refroidir.
Mange. Pourquoi devrais-tu parler de ton accord avec Stéphane à ta tantine? Je me suis dit que c'est l'idéal à faire. D'ailleurs, comment prendre une pause de la vente pour mes séances photo? Tu peux bien faire semblant. Soit tu fais ta vente dans la journée, puis tu fais un jeu intelligent en lui donnant un peu d'argent après la journée. Ce serait chercher des problèmes. En plus, tu sais que je n'aime pas mentir. En plus du fait que les choses soient dures, comment serons-nous dans le manque alors que j'ai de l'argent et je ne le donnerai pas? Écoute, je ne sais plus quoi te dire. Fais comme tu veux. Écoute, ta tante n'a pas de bonne intention envers toi. Elle te prendra tout l'argent et s'enfuira, je te le dis. Tu penses? D'accord, amuse-toi. Je ne sais pas. Elle est bien. Je ne sais plus quoi faire. Oui, good luck. Oui, boss. Alors, qu'est-ce que t'as trouvé? J'ai trouvé qu'elle venait de perdre sa mère il y a quelques mois. Et elle a dû déménager chez sa tante. C'est tout? Pas grand-chose. Le truc est que les gens ne connaissent pas grand-chose sur elle. Par contre, ils savent autant sur sa tante. Et alors, à propos de sa tante, j'ai découvert qu'elle a eu des problèmes avec son mari. Enfin, le mari a vendu tout ce qu'il avait et est parti à l'étranger. Alors, elle est rentrée ici au village avec son fils. C'est ce que j'ai découvert. Mais je m'inquiète, patron. Pourquoi cherches-tu à connaître des choses sur la vie de Oma? Écoute, j'ai de la peine pour Oma. Et elle me dit qu'elle va laisser l'école. Oh, c'est très normal de nos jours. Enfin, tenant compte de l'état de l'économie, les gens abandonnent l'école chaque jour. T'en fais pas, elle ira bien, elle y retournera dès qu'elle pourra. Oui, j'ai entendu mes parents parler d'un truc genre programme de bourse. D'accord. Je pourrais leur parler de Oma. Ne semblerait-il pas comme trop faire? Trop faire? Elle ne t'a jamais demandé de l'aide financière. N'est-ce pas? Écoute, good luck, c'est pas tout le monde qui demande de l'aide. Par crainte de moquerie et de dérision. Mais clairement, Oma a besoin d'aide, n'est-ce pas? Oui, je crois bien, oui. Oui. D'accord, je devrais aller exécuter les autres missions. D'accord, d'accord, vas-y. D'accord, merci. De l'argent. Tu vas bien. Tais-toi. Tais-toi. Doucement. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu me fais? Je voudrais sortir. T'as pas de photo à prendre aujourd'hui? Non, Stéphane a dit que je peux prendre congé. Où est-ce que tu vas? Je vais chercher mon père. Ton père? Comment? Je t'avais dit que ma maman m'avait laissé une lettre. Il y a son adresse. Mais, où est-il? L'endroit est loin d'ici. Et n'oublie pas ce qu'a dit ta tante. Si tu vas à sa recherche, tu ne pourras plus revenir. Je sais, mais j'ai vérifié l'adresse, c'est tout près. Il faut 2 bus pour y arriver, c'est pas du tout loin. Oma, es-tu sûr? Et si jamais il a changé d'adresse? J'irai juste vérifier. Et je reviendrai, je ferai vite. Tu comprends? J'espère que tu vas le trouver. Merci, je vais aller fermer la porte.
Meilleure banane, meilleure banane. Meilleure banane. Achetez. Meilleure banane, meilleure banane. Benji. Ah, monsieur. Eh. Tu viens chercher mon ami? Allez, ne dis pas ça. Je plaisante, je plaisante. Comment vas-tu, Benji? Je vais bien. Oma a dit qu'elle est en congé. Oui, c'est vrai. Je lui ai donné ce jour de se reposer. Moi également, je dois me reposer, mais me voici. Il fait beau aujourd'hui, hein? Oui, c'est merveilleux. J'aime vraiment l'ambiance aujourd'hui. C'est magnifique. Benjamin. Hein? Je veux vraiment te demander quelque chose. D'accord? Pourquoi Oma ne veut plus retourner à l'école? Écoute, hein, quelqu'un doit semer l'intelligence dans la cervelle de cette fille. Ah, je lui ai dit de ne pas donner à sa tante l'argent que vous lui donnez de ce boulot, mais elle a refusé. Attends, je ne comprends pas. D'accord. C'est une longue histoire, mais je vais le résumer. D'accord. La mère de Oma est morte. Elle n'a nulle part où aller. Donc elle a aménagé avec sa tante. Oma est supposé être à l'école, hein. Mais dû à la grève. Et maintenant, sa tante ne veut plus qu'elle y retourne parce qu'il n'y a pas d'argent. Oma traverse beaucoup de choses. Elle est allée chercher son père parce que elle a besoin d'aide. Et vous pouvez imaginer, sa tante qui dit que si elle va chercher son père, elle ne devrait plus revenir. Elle traverse beaucoup de choses et je n'aime pas la voir souffrir. S'il vous plaît, elle ne doit rien savoir, hein. Non, ça va, je comprends. D'accord? Je te comprends parfaitement. Oma traverse beaucoup de choses. Elle est allée chercher son père parce que elle a besoin d'aide. Et vous pouvez imaginer, sa tante qui dit que si elle va chercher son père, elle ne devrait plus revenir. Elle traverse beaucoup de choses et je n'aime pas la voir souffrir. Allô? Hey, Oma. Comment vas-tu? Allô? Oma, tu m'entends?
Allô? Oma, où es-tu? Allô? Oma, Oma, Oma. Stephen. Qu'est-ce que tu fais là? Je ne savais plus où elle est. And then you came along. Life became beautiful, so beautiful, so beautiful. And then you came along, and my life became beautiful, so beautiful, so beautiful. And I will tell the world. Qu'est-ce que t'es venu chercher ici? Je suis allé chercher mon père. Ça va, d'accord? Bonsoir, monsieur. Je souhaite voir monsieur Edmond Moïse. C'est moi. Et qui es-tu? Qui est là? Quelqu'un. J'ai dit, qui es-tu? Qui est-ce que tu cherches? Mon nom c'est Omar, monsieur. Connaissez-vous Felicia Oko? C'est elle qui m'a donné cette lettre. Elle est ma mère. Je suis votre fille. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue vous chercher. Écoute, si tu ne trouves rien d'important à me dire, pars et ne reviens plus. Mais monsieur, je suis votre fille. Elle l'a écrite dans la lettre. Dégage! Mais... Je croyais que, au moins, il serait ravi de me voir. Mais c'était pas le cas. Désolé. Oma, je suis vraiment désolé. Je n'ai... personne. Ma mère n'est plus. Oma, ne dis pas ça, d'accord? Ne dis pas ça. Je n'ai pas de père. T'es pas seul, Oma, ne dis pas ça. S'il te plaît, ne dis pas ça. D'accord? Ne dis pas ça. Même ma tante ne veut pas de moi. Elle ne veut même pas que j'aille à l'école. Chut, c'est bon. Je ne sais plus quoi faire. Ça va, Oma, ça va. Ne parle plus, d'accord? Oui, prends courage, d'accord? D'accord. Oui, assieds-toi. Je peux toujours rentrer. Non, il se fait tard. Tu sais quoi? Tu vas dormir ici, d'accord? D'accord. Eh bien, mais je n'ai aucun habit de femme ici. Mais j'ai des t-shirts que tu peux mettre. T'en fais pas, je dormirai comme ça. Non, c'est bien, crois-moi. Il va t'aller très bien. D'accord? D'accord. J'ai des choses de toilette dans la chambre d'amis. Tu pourras prendre une bonne douche. D'accord? Suis-moi, il te faut une bonne douche. Merci.
Allez, après toi. Arachides. Venez acheter des arachides. Des arachides. Venez acheter des arachides. Salut, Oma. Hey. J'espérais passer chez toi. Vraiment? Oui, j'ai quelque chose pour toi. C'est pour ton dos. Oma, ne me dis pas que tu crois en good luck. Merci de m'avoir aidé la dernière fois, c'était sympa. Et je suis désolée pour toutes les ennuis que je t'ai causés. C'est rien. Ça va. Je vais bien. Ne crois pas en good luck, hein. T'as toujours mal au dos? Crois-moi, Oma, j'ai dit que je vais bien. Par ailleurs, pourquoi ne prenons-nous pas des photos aujourd'hui? Ma tante a insisté pour que je vende aujourd'hui et on pourra travailler demain. Ah. Oui. Mais tu sais, c'est vraiment triste. Je veux pas que mon modèle arrive de me tout brûler à cause de ce soleil. C'est combien tout ça? Non, t'en fais pas. Mais j'insiste. Je ne peux pas tout acheter. Non, non, non. Combien coûte tout ce que tu portes? Je vais payer. Non, non. J'insiste, Oma. S'il te plaît, prends ceci. Non, t'en fais pas. Non, j'insiste. Je vais payer. Non, non, non. T'en fais pas. Je vais te mettre un cafard sur le cœur. Ah, mais ce n'est pas drôle. Ménage, sais comment t'avoir. S'il te plaît, reçois ceci. Allez, tiens. Prends-le. T'es sûr? Oui. D'accord. Merci, merci pour... la baume. Ah, c'est bien. Eh bien, je voulais te prendre une photo ici. Très cool. Et aussi, on peut le faire là. Et puis par ici. Oui, allons voir. D'accord. Donc, elle n'a pas su? Non. Écoute, Oma, j'aimerais pas te voir comme ça, d'accord? Donc, elle n'a pas su? Non. Écoute, Oma, je ne veux pas que tu dises ce genre de choses, d'accord? Tu n'es pas seule. Mais je le suis. Écoute, tu m'aimes maintenant, n'est-ce pas? Je suis maintenant à tes côtés. Ma mère est morte il y a 9 mois. Désolée pour ça. Tante Mabel est la cadette de ses sœurs. Et parmi tous ses frères et sœurs, elle est la seule qui m'ait acceptée. Tous ses autres frères et sœurs sont des cafards. Mais je ne les blâme pas. Les choses sont dures. Ils ont du mal à prendre soin d'eux-mêmes. C'est pourquoi. Écoute, ta tante, ma belle, est-elle célibataire? Non. Sa famille et elle vivaient dans la grande ville. Avant que son mari ne vende tout pour voyager. Mais elle le lui a permis? Ouais, on supposait qu'il allait revenir, mais... la décision lui revient. C'est depuis combien de temps? 4 ans. 4 ans. Et elle pense qu'il reviendra les chercher. Ouais, elle épargne pour aller le rejoindre. Dans quel pays est-il? Canada. Donc ta tante épargne de l'argent pour aller rejoindre son mari au Canada. Oui. Je souhaite qu'il revienne parce que c'est le seul moyen de le retrouver. Moi aussi, je le souhaite bien. En tout cas, je souhaite à ta tante, ma belle, toute la chance du monde. Moi aussi. Les choses sont dures, il le faut. D'accord. Fire deep inside, burning just for you.
C'est bon, juste un instant. Ça peut aller. Non, d'accord, je veux que tu te baisses. Oui, baisse-toi, d'accord? Baisse-toi, génial. Attends. Ça va? Oui. T'es confortable? Oui. D'accord. Je veux que tu fasses comme si tu es assise. Oui, très bien. Voilà, très bien. Parfait. Merci. Tu vas bien? Oui. T'es sûr? Oui. Est-ce que tu vas bien? Oui, ça va. T'es sûr que tout va bien? Ça peut aller. T'es sûr? D'accord, c'est bon. Voilà. D'accord. C'est bien. T'es sûr que ça va? Oui, juste que les herbes me démangent. Pardon, je ne savais pas. Je pensais que tu serais plus créative avec la tenue, mais ça va. C'est bon. Désolé. Très bien. Elles sont bonnes? Parfait. Très bien. Wow. Il fait très chaud. Merde. Merci. J'en sais rien. J'ai pas encore trouvé ma photo préférée. Elles sont toutes jolies. Mais celle-ci surpasse le reste. Celle-là, celle... Oui, c'est la photo du jour, honnêtement. Elle est très belle. Désolé, tu sais quoi? J'ai quelque chose que tu peux appliquer sur ton corps à la maison. Vraiment? Oui. Je suis vraiment désolé, d'accord? Merci. Aïe, ça me démange tellement. Mais je t'avais demandé si tout allait bien, t'as dit oui. Je pensais pouvoir le supporter. Tu viens de dire supporter? Je t'ai dit que quand ça ne va pas, dis-le. Mais c'est mon travail et je... Tu veux me faire paraître comme un méchant patron? Tu sais, je suis désolé, laisse-moi t'aider à l'appliquer. T'en fais pas, je peux le faire. Non, laisse-moi t'aider. T'en fais pas, je peux le faire. Stéphane! J'ai apporté de l'eau chaude. Stéphane! Oma. Pourquoi ne pas prendre un bain avec de l'eau chaude? Stéphane! Oma, juste calme-toi, d'accord? Essaye avec de l'eau chaude. D'accord. Non, t'en fais pas, je vais t'aider avec ça, d'accord? Toi, va à l'étage pour prendre ton bain. Avec de l'eau chaude, ça ira. Hein? Oui. Désolé, hein? Entrez. Hey. Tu vois, mon corps ne me démange plus. C'est comme un miracle. T'es toujours énervé? Sur une échelle de 1 à 10, où se trouve ta colère? 1 million. Arrête, c'est pas drôle. Crois-moi, c'est pas drôle. Je t'ai demandé si tu étais à l'aise, t'as dit oui. Écoute, Oma, si tu ne te sens pas à l'aise, simplement dis-le, fais-le savoir. D'accord? Je sais que mon imagination parfois peut s'emballer, mais je ne veux pas te faire mal. Tu ne m'as jamais fait du mal. Alors, parle quand tu n'es pas à l'aise, d'accord? C'est pourquoi t'es énervé? Évidemment. Alors... Ne sommes-nous plus amis? Tu le souhaites. Quoi? Oh mon, un cafard! T'as menti! Non. Tante, bonsoir. Pourquoi mes sacs et vêtements sont dehors? Donc tu pensais que je n'allais pas savoir? Hein? Vas-tu t'agenouiller? À genoux! Mets-toi à genoux!
Donc tu pensais que je ne saurais pas? Oh, tu croyais que je ne saurais pas? Tante, de quoi parles-tu? Tu vas te taire? Comment oses-tu me regarder en face et me dire cela après m'avoir menti? Mentir à propos de quoi? Tais-toi! Tu me fais honte. Hmm? Tu me fais vraiment honte. Pourquoi es-tu allée? Pour quelle raison exactement tu y es allée? Un homme qui n'a jamais voulu de toi. Hein? Regarde-toi. Tu pensais que je ne saurais pas que tu étais allée chercher ton père? N'importe quoi. Tante, je suis désolée. Je voulais juste savoir si... Si quoi? Si quoi? Un homme qui t'a rejeté depuis le début. Oh! Donc tu pensais qu'il allait sauter de joie et te recevoir chez lui. Tu devrais être très stupide. Ma curiosité m'a engloutie, mais je promets que je ne le referai plus. Je suis désolée. Tu ne le referas plus, oui. Tu sais quoi? Puisque t'es parti contre ma volonté, tu quittes ma maison. T'as vu tes effets dehors, n'est-ce pas? Tant tu pitié, quittes ma maison. S'il te plaît, dégage d'ici. Je ne recommencerai plus. Je ne recommencerai plus, tant que je promets. Je vais te gifler. Sors de ma maison. Tante, pardon. Sors de ma maison. Tante, pardon. Mais es-tu sourde? Dépêche-toi de partir. Je dis, dégage de ma maison. Hé, hey, entre, entre. Désolé, doucement, d'accord? Assieds-toi ici, oui. Je ne sais plus où aller. Et je suis allée chez Benji, mais ils ont voyagé. Désolé, calme-toi, d'accord? Tu sais que mes portes sont toujours ouvertes pour toi. Je ne sais pas quoi faire, Stéphane. Ma tante ne veut plus de moi dans sa maison. Alors, écoute, tu peux rester ici, d'accord? Je ne veux pas te déranger. Arrête de dire ça. Tu ne pourras jamais me déranger. Et si je travaillais pour toi? Je peux cuisiner. Je peux nettoyer, je peux laver. Assez. Arrête de dire ça. T'as pas besoin de faire tout cela. Écoute, juste, prends cette maison comme la tienne, d'accord? Je suis vraiment désolée. C'est bon. D'accord? Tu sais quoi? Je pense qu'il te faut un bon bain, d'accord? Allez, viens avec moi. Merci beaucoup, papa. Merci, j'ai vraiment aimé. Cela signifie beaucoup pour moi, papa. Merci. Good luck, je t'ai toujours dit de frapper avant d'entrer dans ma chambre. Désolé. J'ai pas bien fait, désolé. Par ailleurs, papa a accepté d'accorder la bourse à Oma. Oh, vraiment? Oui, oui. Je vais aller lui annoncer ça personnellement. Mais, Stéphane, Oma n'est pas là. Elle est partie. Que veux-tu dire par Oma est partie? Que veux-tu dire par là? Elle est partie. Elle n'est pas là. Où est-ce qu'elle peut aller? Oma! Qu'est-ce que tu fais ici? Où est-elle? Dégage de ma maison! Comment as-tu eu mon adresse? Qui t'a donné mon adresse? Vas-tu continuer à me crier dessus ou vas-tu m'écouter? Je ne vais pas! Je ne vais pas écouter! Mais non, dégage de ma maison! Où est-elle? De quoi tu te mêles? Après que tu l'aies rejetée? Je ne vais plus. Je répète, je ne vais plus te le demander encore. Où est-elle? Regarde-toi. Tu es sans vergogne. Alors maintenant tu reconnais qu'elle est ta fille. Ma belle. Et tu sais maintenant que tu es son père. Tu le sais maintenant, n'est-ce pas? Où est-elle? Elle est partie. Je l'ai renvoyée. Tu as fait quoi? Oui, je l'ai fait. Je l'ai avertie de ne pas venir te chercher. Mais elle m'a désobéi. Si c'est pas que ma sœur avait écrit ton nom et ton adresse dans cette lettre, comment aurait-elle pu te trouver? Ma belle, tu as chassé ton propre enfant de ta maison, oubliant que c'est ton propre enfant. Comment peux-tu faire cela? Et elle est aussi ton enfant! Tu sais que je ne l'avais jamais voulu. Je n'avais jamais voulu la garder. Tu sais combien de fois j'ai essayé de l'avorter, mais elle a refusé de mourir! Tu sais quelle douleur je ressens chaque jour que je la regarde!
Chaque jour, je ressens de la douleur. Donc, tu es ma mère. Comment as-tu pu faire toutes ces choses? Je suis désolé, Oman. Nous n'étions pas prêts à être parents. Nous avons légué notre responsabilité à tante Félicia. Si c'est pas qu'elle avait insisté pour que je garde l'enfant, tu ne serais pas ici aujourd'hui. Vas-tu te taire? Comment peux-tu dire ces choses horribles devant elle? Qu'est-ce que ça veut dire? Écoute, Oman, la vérité est que nous étions très jeunes quand elle était tombée enceinte de toi. J'avais tellement peur. Mon père était très strict. Donc, nous t'avons légué à Félicia qui t'a élevé. Donc, tu as pensé que c'était ta mère. Elle restera toujours ma mère. Tu ne seras jamais ma mère. Je ne t'appellerai jamais maman. Pourquoi es-tu revenu ici? Je t'avais dit de ne plus revenir ici. Je voulais te supplier de me reprendre. Mais je pense que c'était stupide. Et toi? Pourquoi es-tu venu ici? Je pensais que t'avais dit de ne jamais te chercher. Ce n'était jamais mon intention. Écoute, ça n'a été jamais mon intention de te renvoyer mon enfant. Ma belle était venue me voir il y a quelque temps. Et elle a dit que tu pourrais peut-être venir vers moi. Et quand tu le feras, je devrais te renvoyer. Comment peux-tu faire cela? Comment peux-tu me faire cela? Parce que je voulais emporter ce secret jusqu'à la tombe. Je ne voulais pas que tu saches que c'est moi qui t'ai accouché. Ne suis-je pas assez bien pour être ta fille? Ne suis-je pas aussi un enfant comme ton fils? Qu'est-ce qui a changé? Quelle est la différence entre nous deux? Quelle... N'importe où. Du moment que c'est très loin de vous deux. Et vraiment, tu ne m'as jamais aimé. Depuis mon enfance, je sais que tu ne m'as jamais aimé. Et maintenant, je sais pourquoi. N'essayez jamais de me chercher. Je ne vais plus revenir. Oh. Oma. Hey. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Sûr? Oui. Tu sais, Oma, je te le promets. Que t'es sous ma responsabilité à partir de maintenant. T'es très jeune pour ça. Qui a dit ça? Tu seras éventuellement fatigué. Écoute, Oma, pour te dire vrai, tu ne fais que m'affronter. Depuis la première rencontre, tu m'as confronté quand j'étais avec les enfants. Tu sais que c'était une erreur. Oui, je sais. Oma, tu ne m'as rien dit. Tu ne m'as rien dit, tu as tout gardé pour toi. Je n'ai pas l'habitude de parler de moi. Alors tu me prends comme un étranger? Non, bien sûr que non, t'es mon ami. C'est juste que ma mère était ma seule confidente. Et quand elle est morte, je ne... Écoute, il y a aussi une autre chose. J'ai jamais l'intention de t'abandonner. Je suis là maintenant pour toi. D'accord? Je suis là pour toi. Je ne mérite pas ça. Tu ne mérites pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es trop bon pour être vrai. Même notre amitié m'est comme un rêve. Écoute, c'est pas un rêve. D'accord? T'es sous ma responsabilité maintenant. Et je vais te garder. Je vais te protéger avec ma vie. D'accord? Avec ta vie?
pourquoi le ferais-tu? Chasing it all. Yeah, I know what it means to be here in bed. Oh, I know what it's like to be alone. Nobody wanna come closer. Life was so blurry, just like a worry. No one to tend to, more like a prison in your soul. Écoute, hein, ne m'oublie pas. Ah, ça ne peut jamais arriver. T'es pas sérieux. Alors, tu retournes à l'école, c'est ça? Ouais, mais après l'accord des parents de Stéphane. Crois-moi, je ferai tout ce qu'il faut pour toi. Stéphano! Benjamin! Le tout-puissant Stéphane! Benjamin! Hey, génial! Frère, s'il te plaît, aide-moi à remercier tes parents. À travers eux, on a eu beaucoup d'affaires. Et mon père a pu gagner quelques sommes. Dieu merci, tu sais quoi? Je suis très content de toi, Benjamin. Très content. Merci, merci, merci. Oma la gauche au cou. Hey, notre amitié va me manquer. Tu vas aussi me manquer. Benjamin. Tu vas me manquer. N'oublie pas de m'appeler, hein. Bien sûr. Allez, good luck. Benjo, ça va? Oui. Tu es sûr? Oui. Très bien, allons-y. And then you came along, and my life became beautiful, so beautiful. So blurry, just like a worry. No one to tend to, more like a prison in your soul. And then you came along, and my life became beautiful. So beautiful, so beautiful. And then you came along, and my life became beautiful. So so beautiful.